t'entends sur le quai de la gare. Pourquoi tu crois le conflit potent d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai et regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu le plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou coin de la vitre, il faut choisir la bonne place. Tu choisis coin de l'obscurité, première ou seconde place. Dans les premiers kilomètres, tu n'as que Dieu pour son visage. Tu t'écoutes pas derrière la fenêtre, mais défiler les paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger, tu ne vois pas passer l'heure. C'est tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire va de l'aile. Tu te dis que t'y es pour rien, que c'est sa faute à elle. Le rendement du train te saoule et chaque virage te cœur. Tu te lèves, tu marches, tu vas dégourdir le cœur. Le train ralentit, c'est déjà la fin de l'histoire. En plus, c'est comme un con, tes potes sont restés à la gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda, surprenant, elle va passer un coup de tipex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en train. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur les quais de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour, à se découvrir plein d'entrains. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, autant faut-il prendre le bon. Je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon, car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève, et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention, et forcément, ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles, c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent l'autre page. Bon, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu, la prochaine fois tu prendras le bus.